Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter un document pour bien se confesser. Un document que j'utilise de temps en temps pour faire une bonne confession générale. Alors il faut savoir que l'Église recommande dans ses commandements de se confesser une fois par an, mais c'est vraiment le minimum syndical. Et le ciel, dans ses diverses apparitions aux prophètes contemporains, recommande une fois par mois. Et certains saints, comme Saint Alphonse de Ligori, entre autres, qui recommandent de se confesser toutes les semaines, voire tous les 15 jours pour gagner une indulgence plénière chaque jour si on fait bien évidemment le nécessaire. Et là, je peux vous renvoyer une de mes vidéos sur les indulgences plénières. Alors, c'est important de se confesser régulièrement pour purifier son âme très régulièrement, pour être prêt non seulement à mourir, donc quand le Seigneur nous jugera sur toutes nos œuvres de toute notre vie. Et il faut savoir que nous sommes aussi à une période très particulière de l'humanité qui est la fin de la fin des temps, c'est-à-dire que nous allons bientôt vivre une période très troublée de l'histoire de l'humanité, ou une période charnière en fait, où nous allons basculer d'époque spirituelle, où nous allons passer du temps du Fils, du temps de l'Église, du temps de la miséricorde, à l'ère de l'Esprit Saint, au millénium en fait. Et le premier acte de ce basculement, ce sera ce qu'on appelle le grand avertissement, le warning en anglais, ou aussi on peut aussi l'appeler, on peut aussi trouver l'appellation illumination de la conscience. Donc en fait, ce grand avertissement a été prophétisé par la Sainte Vierge à Garabandal dans les années 60, c'est un village espagnol. Effectivement, ce sera un temps où nous subirons tous, toutes les âmes, enfin en tout cas ceux qui ont l'âge de raison, connaîtront un jugement temporaire, et donc ils verront leur destinée. Donc certains iront en enfer, j'imagine la plupart de l'humanité iront en enfer temporairement. Beaucoup iront au purgatoire et certains verront le ciel pour les plus saints d'entre nous. Voilà. Donc ce document, je le mettrai en lien, en téléchargement en bas de cette vidéo. Effectivement, beaucoup de confessions sont nulles ou du moins stériles parce qu'on y dit des banalités, des aveux passe-partout, en tout cas pas ce qu'il faudrait dire. Ce petit livret voudrait vous aider à faire des confessions sincères, complètes, purifiantes, pacifiantes et sanctifiantes qui vous donnent la paix du cœur ici-bas et qui vous ouvrent ensuite la porte du ciel. Beaucoup de chrétiens ignorent la nomenclature même de tous les péchés qu'ils sont constamment exposés à faire ou qu'ils font. Et à force de ne plus s'examiner en détail à la lumière d'une vraie doctrine morale, ils finissent par ne plus se trouver coupables d'aucun péché, si ce n'est de quelques menues peccadilles, ce qui est le comble de la cécité spirituelle. Peut-être le présent fascicule apportera-t-il un peu de lucidité aux âmes qui désirent la lumière. Avoir une conscience entièrement purifiée pour de vrai, n'est-ce pas une grâce inappréciable? Le ciel ne sera pas peuplé de justes, mais de pécheurs justifiés, purifiés et pardonnés. Prenez donc le temps de lire attentivement ce livret, soit chez vous, soit à l'église. Vous pouvez en retirer une grande paix et il aura atteint son but. Alors effectivement, c'est une méthode par commandement et aussi par péché capital, en fait, une méthode logique pour examiner sa conscience,
Par exemple, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Voilà, donc on décompose avec sa vie de prière, on s'examine sur sa vie de prière, sur sa volonté d'approfondir sa foi religieuse, de se questionner sur sa foi, sur sa vertu de foi, sa vertu théologale, aussi sur la vertu théologale d'espérance, sur la vertu théologale de charité, de s'examiner sur ses confessions passées, sur son rapport à la Sainte Eucharistie, sur son rapport aux sacramentaux, c'est-à-dire aux objets bénis. Ensuite, le deuxième commandement, donc tu respecteras Dieu. Troisième commandement, c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur, donc on s'examine sur ses rapports à la messe dominicale, qui est une obligation, hein. Je rappelle à tous les catholiques que c'est une obligation d'aller à la messe tous les dimanches, et sinon vous êtes en état de péché mortel, il faut le savoir. Si vous n'avez pas une excuse grave, des raisons tout à fait légitimes de ne pas aller à la messe le dimanche, hormis cela, vous êtes en état de péché mortel. Le repos dominical, donc effectivement, il faut sanctifier le dimanche de manière toute particulière. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, tes supérieurs, l'État aussi. Donc on s'examine sur sa vie familiale, sur sa vie civique, son rapport aux lois et à l'État, sur son devoir d'État professionnel. Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Alors bien évidemment, en fait, il faut aussi inclure toute sa violence intérieure, la méchanceté que l'on peut éventuellement avoir, son désir de vengeance. Toute la malice qui est en nous, en fait, ce commandement, c'est pas, il faut pas le restreindre seulement à l'homicide, mais aussi à la colère, à la vengeance, à la méchanceté, etc. Sixième et neuvième commandement, donc, c'est lié à la pureté. Nous avons une exigence, nous avons l'exigence d'être le plus pur possible. Donc discipline des sens, la modestie aussi dans l'habillement. Je parle pour les femmes surtout. Donc aussi ses agissements dans sa vie conjugale. Septième et dixième commandement, c'est par rapport au vol en fait, qui est interdit, ou retenir injustement les biens des autres. Aussi sur la justice sociale, si vous êtes employeur. Ou si vous, enfin, c'est votre rapport aussi à votre travail. Huitième commandement, mensonge, médisance, calomnie, jugement téméraire, indiscrétion. Ensuite, les commandements de l'Église. On se questionne sur les commandements de l'Église. Ensuite, on passe à l'analyse de ses péchés par rapport à ceux qui sont dits capitaux, c'est-à-dire que c'est pas des péchés mortels, mais c'est des péchés qui peuvent entraîner des péchés mortels. Donc l'orgueil, l'avarice, c'est-à-dire l'attachement aux biens matériels, la jalousie et l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Voilà, on peut conclure. Alors, c'est une paix. Enfin, pour conclure, bien évidemment, c'est ça, son acte de contrition et sa pénitence. Mais on peut dire une petite prière, voilà, de tous ces péchés et de tous ceux que j'ai oubliés, parce que on peut avoir oublié des péchés. De tous ceux de ma vie passée, je demande pardon à Dieu et à vous, mon Père, pénitence et absolution, si vous m'en jugez digne. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.